Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors, je voulais faire une vidéo sur ma Reptile Room, je voulais faire une présentation pour 2021 de ma Reptile Room. J'avais tout préparé. Et puis, eh bien, pas de chance, enfin pas de chance ou beaucoup de chance, quelque chose est arrivé dans mon élevage. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais vous présenter totalement autre chose, une surprise. Ah, c'est le. Donc, une surprise, vous allez voir ce que c'est, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très heureux de ce que je vais vous présenter. Voilà. Cette vidéo, je vais la dédier à mes petits voisins, parce que j'ai des petits voisins tout autour là, qui me disent qu'ils vont voir mes vidéos, qui voient un petit peu tous mes animaux, voilà. Donc, je leur dédie cette vidéo. Alors, je la dédie à Pierrick, je la dédie à Jules, je la dédie à Gabriel, et je la dédie à Kylian. Voilà, à tous les quatre. J'espère que vous regarderez cette vidéo. Voilà. Bon, maintenant, j'espère que vous allez bien profiter de cette nouvelle vidéo avec une super surprise. En tout cas, pour moi, c'était une super surprise. J'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Gutopia.com TV. Bon, alors tout d'abord, je voudrais vous présenter un petit livre, voilà, sur, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu sur l'expérimentation et comment fonctionne l'expérimentation scientifique, notamment en éthologie. Alors c'est une philosophe qui s'appelle Vinciane Després, qui vient de sortir un nouveau bouquin, elle en a fait plusieurs, et là ça s'appelle Autobiographie d'un poulpe. Alors il y a trois histoires différentes. Alors, c'est un peu décontenançant au départ parce que, ben, c'est pas vraiment de l'éthologie, c'est pas vraiment de la philosophie, mais c'est pour réfléchir sur les méthodes d'expérimentation. Quand on pose une hypothèse zéro pour chercher quelque chose, eh bien, on la pose avec toute notre histoire d'humain. Et voilà, c'est ce que ça explique ici. Alors, c'est trois histoires qui sont, ben, sur fond d'éthologie, sur fond d'observations qui ont été faites, d'expérimentations qui ont été faites, notamment sur un poulpe qui rêve, avec en plus, ben, on a des elle nous donne des liens YouTube, etc., pour voir, parce que là, par exemple, le poulpe qui rêve, il y a un lien, enfin, il y a une vidéo sur YouTube, où on voit le poulpe rêver et où son expérimentateur, le scientifique qui la garde chez lui, explique ce qu'elle est en train de rêver et pourquoi. Enfin, c'est vraiment super. Alors, ce livre, voilà, c'est pas un livre d'éthologie à proprement parler, c'est un livre de philosophie sur. Je pense que l'autrice a voulu regarder par le dessus. Comment fonctionnait l'expérimentation scientifique. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, c'est peut-être pas ça du tout, hein. Moi, je l'ai interprété comme ça, et c'est vrai que ça nous permet de relativiser sur l'expérimentation, sur les expériences et ce qu'on observe, l'observation même in situ, dans la vie sauvage, et l'interprétation qu'on peut en faire à travers le prisme de nos yeux humains, voilà, et de notre histoire. Alors, ce livre-là, moi, je l'ai adoré. Ben, mais par contre, bon, c'est pas un livre sur les animaux, c'est un livre plutôt de philosophie. Voilà, mais c'est vraiment super. Et puis, attention, roulement de tambour, je l'ai enfin reçu, ça y est, attention, regardez bien, le voici, le voilà, le tout dernier Ron Tremper. Voilà, Léopard Gecko-morphs. Alors, c'est pas un livre comme le dernier qu'il avait fait pour, ben, avec toute. Comment la maintenance, la nourriture, etc. Et l'explication des morphes, comment ça arrive. Là, c'est totalement un livre sur les morphes des geckos léopards. Et il a été publié en 2019, donc il est vraiment très très récent. Donc évidemment, pour l'instant, enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Je l'ai commandé directement chez Ron Tremper. Voilà, il s'est mis à peu près 3 semaines à arriver. Voilà. Et donc, c'est un livre. Alors, évidemment, je vous montre pas l'intérieur parce que, bon, il y a un copyright d'abord. Mais je vous montre quand même quelques petites choses. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de photos. Voilà. Énormément de photos avec quelques explications sur l'origine de certaines mutations et puis sur les mutations. Voilà. Alors, quand on voit cette photo-là, ah, j'adore. Voilà. Toutes les mutations.
Voilà, et puis si vous voulez voir seulement la table des matières, voilà la table des matières, donc vous ferez une petite pause dessus, vous voyez, on a énormément de morphes, avec tous les morphes qui en découlent, voilà. Et puis, des petites nouveautés que je ne connaissais pas, enfin je ne suis pas non plus un spécialiste, hein. Mais voilà, alors évidemment c'est en anglais, bon. Mais sincèrement, toutes les photos sont de qualité, et puis les explications, et puis c'est vraiment un super bouquin. Voilà, que j'ai dévoré deux fois déjà, puis que je vais continuer à dévorer. Voilà, allez, maintenant, je vous parle de ma surprise. Bon, allez, trêve de secret. Je vais vous parler aujourd'hui du Varan de Timor, Varanus timorensis. Voilà, parce que j'ai mis une boîte de ponte. Et j'ai trouvé des petites choses. Alors, je vais d'abord vous parler du Varan de Timor, vous faire un petit historique rapide. Donc, le Varan de Timor, ou Varanus timorensis, c'est un varan qui vit, comme son nom l'indique, sur l'île de Timor. Timor, c'est une île qui est au nord de l'Australie, hein, là, il y a la pointe de l'Australie, c'est un tout petit peu à l'ouest, mais c'est vraiment à l'extrême nord de l'Australie, c'est une île indonésienne. Voilà, et c'est un. Il a été découvert par Gray en. Je ne voudrais pas dire de bêtises, 1841, je crois. Alors, c'est un varan qui fait environ 65 cm de long, hein, museau-queue, et à peu près 25 cm au niveau museau-cloaque. Voilà, c'est un petit varan qui est du sous-ordre de Odatria. C'est un sous-ordre que vraiment j'apprécie beaucoup. C'est là où il y a les Varanus tristis orientalis, les Varanus acanthurus, les Varanus gloerti, les Varanus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Varanus prasinum. Enfin, voilà. Tous ces varans, hein, qui sont de petite taille et qui sont super intéressants à observer. Alors, le varan de Timor, c'est un varan qui est plutôt arboricole. Quand on dit arboricole, c'est un petit peu comme le gloerti, c'est-à-dire qu'il peut vivre dans les arbres, mais il peut vivre aussi dans les rochers. Voilà, il est quelquefois terrestre, mais plus souvent, il aime bien quand même être en hauteur. Voilà, sur les rochers ou dans les arbres, on le trouve souvent dans les arbres. Voilà, c'est un varan qui a des reflets un petit peu bleutés, surtout quand il est petit. C'est vraiment un très très joli varan. Moi, j'adore ce varan. Il est vraiment, en plus, très très inquisiteur. Vous allez me dire, comme tous les varans, mais c'est vraiment un varan qui est très intéressant, qui regarde tout ce qui se passe, qui s'approche, comme vous allez pouvoir le voir là sur la vidéo. Voilà. Alors, ce varan de Timor, Varanus timorensis, moi je le détiens dans un herptech, enfin un couple, que je détiens dans un herptech de 90 sur 60 sur 100 de haut. Voilà les herptech arboricoles qui sont vraiment super. Entre parenthèses, je fais de la pub pour les herptech, mais enfin comme tout le monde, parce qu'ils sont vraiment chouettes, en plus ils sont faciles à nettoyer, enfin ils ont tout pour plaire les herptech. Donc voilà, au départ, quand ils étaient petits, je les avais dans des exotéras de 45, 60 par 60. Oh, oui, par 60. Et puis là, du coup, je les ai dans ce grand terrain en couple et je les séparerai une fois que voilà, la ponte a été faite. Donc bientôt, je vais les séparer. Alors, je leur mets du copeau de coco. En fond, parce que ça garde bien l'humidité, c'est des animaux qui aiment l'humidité. Et puis, je leur mets des branchages, c'est arboricole. Je vaporise, mais pas très régulièrement, je les vaporise une fois tous les 10 jours à peu près, je vaporise pas trop. Et alors, c'est préconisé de laisser un grand bac pour qu'ils puissent se baigner. Moi, je mets un petit bac pour qu'ils puissent s'abreuver, et j'ai jamais eu de problème particulier. Ils ont l'air d'être très en forme, ils font de très bonnes mues. Voilà, donc mais comme dit comment il s'appelle Nicolas Hussard de Reptiligne, il dit que il faut éviter un peu que ce soit trop humide, donc j'ai tendance à faire ça. Je sais pas si je fais bien. Mais pour ces varans qui sont quand même dans des
dans des zones géographiques assez humides, ça n'a pas l'air de les gêner trop. Quand je sens que c'est vraiment trop sec, que le substrat est trop sec, j'asperge d'eau, mais sinon je mets pas trop d'humidité. Voilà. Au niveau de l'éclairage, du chauffage, alors là j'avais une HID de 70, qui marchait très bien. Là j'ai voulu changer parce que j'ai vu le AirPower sur les HID. Où ils disaient que bon, il fallait leur proposer quelque chose d'autre. Et puis, alors, je leur ai proposé une lampe chauffante avec des UV. Et puis, bon, je vais revenir au HID parce que c'est pas trop mal. Puis, j'ai l'impression qu'il se régule tout seul. J'ai pas eu de cas de blessure par brûlure ou ce genre de choses. Donc, bon, je vais essayer de continuer comme ça. Je vous redirai si ça fonctionne. Voilà. Bon, on voit que ça a été gratté. Voilà, c'est ce que j'avais mis pour les Varanus Timor N6. Bon, là, alors on va voir, peut-être qu'il n'y a rien. J'ai l'impression que ça a été creusé assez profond. Donc on va regarder, on va Allez, découvrir c'est parti. ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on voit des œufs. Oh, j'en vois au moins 4. Bon, allez, on va regarder ça tout de suite. Ah, je Allez, suis c'est vraiment content. parti. Allez, c'est reparti. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, regardez. Hop. Voilà déjà un. Voilà déjà un. Oh, il m'a l'air tout petit. Je sais pas si c'est viable ou pas. On verra. Voilà, alors, il est plus dur et plus. Oui, celui-là, il a l'air quand même beaucoup, beaucoup mieux. Le premier, je suis pas sûr. Il est mou, il est. Celui-là, il est beaucoup plus dur. Allez, on continue. C'est Pâques. Celui-là aussi, il est un peu mou. On continue. Voilà encore un. Ça fait 4. M'ont l'air petit quand même. Ils m'ont l'air petit. On va voir. On verra. En voilà encore un. Ça fait 5. Oh là. Oh là là. Oups, évidemment, si je l'échappe en plus. Bon, là, celui-là, de toute façon, je pense que c'est un slug, mais il est très petit, très mou. Mais on verra, on les met en incube, on verra ce qui se passe. Alors, on va vérifier un petit peu partout.
Hop. Voilà donc ma petite récolte. Donc, bon, il y en a au moins deux qui ont l'air pas mal. Les autres ont l'air un petit peu trop mou, un petit peu trop. Mais bon, c'est la première ponte. Et s'il y en avait déjà deux qui étaient viables, alors là, ce serait super. Les deux qui doivent être viables, c'est ces deux-là. Les autres ont des formes beaucoup plus oblongues. Et puis, ben, par exemple, celui-là, il est très mou, il est très. Bon, celui-ci, pareil. Celui-là aussi. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, et ben, on va mettre tout ça en incubation. Varanus timorensis, première ponte à l'élevage gutopia.com. Allez, on referme tout ça et on va mettre ça à 29 degrés. Voilà comment j'installe au préalable. Alors, je tasse bien. Comme ça, ça me permet de voir si ça a été gratté. Comme ça, je peux vérifier. Voilà. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je mets des petits morceaux de copeaux comme ça sur le dessus, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, ça les rassure aussi pour creuser. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Et puis ensuite le couvercle qui est sur le dessus comme ça. Bon, faut que je nettoie bien sûr. Et puis comme ça, hop, la femelle rentre ici et puis elle va faire ce qu'elle a à faire. Bon, je vais le remettre au cas où la ponte n'est pas été finie et que je les ai perturbés. Je pense pas, parce qu'ils font ça plutôt le soir. Mais bon, dans le doute, je le remets quand même et on verra bien. Voilà, donc voilà. Comme vous l'avez vu, voilà, j'ai une première ponte là pour mon couple de varan de Timor. Donc j'ai récupéré les œufs. Il y en a deux qui m'ont l'air bien. Les autres, beaucoup moins bien. Mais bon, c'est une première ponte, donc c'est déjà bien si j'arrive à en avoir deux. Donc je les ai mis à incuber dans un incubateur que j'utilise pour mes geckos léopards. Hein, c'est une surface qui est au-dessus de la zone humide. Et puis je vais le mettre à 30 degrés parce que j'ai d'autres œufs de Rhinoclemis pulcherrimensis qui sont en train d'incuber, et puis de geckos aussi. Donc je peux pas mettre trop fort parce qu'on préconise entre 30 et 33 degrés d'incubation. Donc là je vais les mettre à 29,5-30, je pense que c'est une bonne température d'incubation. Voilà. Normalement, ils font une ponte d'environ 7 œufs. Là, j'en ai récupéré 5 ou 6, je ne sais plus. Donc, bon, c'est bien. C'est une bonne ponte pour une première. La nourriture. Pour la nourriture, je leur donne des insectes, parce que c'est insectivore, donc je leur donne beaucoup d'insectes, je leur donne des grillons, je leur donne des criquets, je leur donne des dubias, des... comment ça s'appelle ? Enfin, des dubias, donc. Voilà, donc ils mangent ça, et puis de temps en temps, quand j'ai... quand j'ai en surplus des souriceaux, quand je nourris mes petits serpents et qu'il y en a qui sont en mue, ou que hop, je leur donne un petit souriceau de temps en temps, ils aiment bien. Et puis c'est marrant à voir. Bon, évidemment, je ne les surcharge pas en souriceaux parce que bon, j'ai lu et j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas trop en donner. Alors, je suis un petit peu ça, mais je leur en donne de temps en temps. Parce que d'abord, c'est une friandise supplémentaire, ils aiment bien, ça se voit, ils sont contents. Et puis c'est marrant de les voir manger ça. Voilà, mais surtout des insectes sur lesquels je mets un peu de calcium et puis un petit peu de D3 en même temps. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien, ils mangent bien, faut les voir chasser, c'est super. Et j'avais fait une vidéo là sur un moment de chasse où on voyait juste la langue qui sortait parce qu'ils avaient senti qu'il y avait un insecte. C'est vraiment super à observer et on peut rester des minutes entières à les regarder chasser. C'est un animal qui est super intéressant. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. En tout cas, moi, vous imaginez, je suis très très content. Voilà, alors là, c'est pas la femelle, c'est le mâle qui est là qui prend la chaleur. Voilà, donc je vous tiens au courant de l'évolution des choses. Bon, je pense qu'il y a peut-être un ou deux œufs qui vont être bons, les autres n'ont pas l'air super, mais bon, on verra, parce que moi j'ai déjà vu des slugs de serpents qui, en fin de compte, étaient viables, et puis où naissaient des serpents. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous tiens au courant, et surtout n'oubliez pas,
contre vents et marées, et surtout contre les cons. Croyez en vos rêves. Salut! Bon, en bonus, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est UV éclairage, parce que j'ai changé un petit peu, enfin j'avais des T5 Pro là, et donc je les ai mis en ligne, j'en ai mis 7 en ligne, ça fonctionne très très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc sur la ligne, voilà, ils sont branchés les uns aux autres. Voilà, hop, ça va descendre. Ça arrive en dessous. Voilà, il y en a un autre. Donc ça c'est les lampes. Hop, ça redescend encore. Il y en a un qui est juste sur la grille là. Parce que je vous rappelle que les UV avec le verre arrête les UV. Donc là il est branché sur la ligne. Celui du fond. Hein. Voilà, puis il y en a deux autres au fond là qui sont là. Voilà. J'en ai installé aussi ici. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Dans les terras. Voilà, donc ça c'est les Pro T5 UV. Et on voit d'ailleurs que les comportements des animaux sont complètement différents. Là, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu mes varans s'aplatir comme ça pour prendre la chaleur et les UV. Alors vous voyez qu'il est à peu près à 40 cm, hein, donc voilà, pour protéger les animaux. Alors oui, il y a toujours ce problème des HID, là, qui... Moi, c'est des Lucky Reptiles. Des HID qui, ben, voilà, les animaux peuvent pas à la fois prendre des UV et puis ne pas prendre la chaleur, ou inversement, ce qui complexifie un petit peu. Il paraît qu'il y a eu des cas de brûlure. C'est Nicolas Hussard qui racontait ça. Mais d'un autre côté, ce que je me dis, c'est que dans la nature, le soleil, il ne fait pas d'un côté le chauffage et de l'autre côté les UV. Donc les animaux s'organisent. Alors après, je ne sais pas. Pour les spécialistes, mais attention, je demande aux vrais spécialistes, pas aux gens qui répètent ce qu'ils ont entendu et que voilà. Mais pour ceux qui vraiment maîtrisent bien la lumière, les problèmes de lumière, de chauffage, etc. Si vous avez des commentaires à mettre, mettez-les. Mais je demande bien vraiment à des spécialistes, pas à ceux qui vont répéter voilà ce qu'ils entendent sans vraiment comprendre le système avec les rayonnements. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si je me trompe, parce que je suis preneur hein, d'avoir d'autres informations. Enfin, vous voyez qu'avec les HID, quand même, c'est quand même pas du tout les mêmes terrariums, hein. C'est pas la même couleur, c'est pas la même intensité. Et puis les comportements des... Là mon Varanus tristis orientalis, si j'arrive à vous le filmer, je sais pas si vous le voyez dans le coin là, voilà, bon, il a pas le même comportement. Voilà, c'était juste un petit aparté pour vous dire, pour vous parler un petit peu, voilà, de lumière, chauffage, tout ça, UV. Voilà, allez, salut.